La soupe est en même temps. Écoute quoi. Il faut qu'on gagne. Et après, Willy nous a demandé gentiment. Alors, juste les dernières informations. Déjà, on en parlera ce soir. Je suis ravi que vous soyez tous là. C'est sympathique de voir une trentaine de personnes pour faire du gaz. Donc, avec le beau temps. Le dernier point météo, ça confirme ce qui était prévu. Donc, pour demain matin, j'ai demandé pour un décollage à 2h TU, c'est-à-dire 4h locales. Je pense qu'on va faire comme on fait d'habitude, on se donne rendez-vous à 3h ici, on décolle à 3h30, ça nous laisse pour voler tranquille jusqu'à 8h avant que ça termine trop. L'année dernière, où il y a 2 ans, on a tenté de voler un peu jusqu'à 9h30, mais on s'est un peu fait brasser dans les arbres. Alors, on verra bien. Ouais, donc, au sol, il est prévu 5 nœuds, et ça sera tout le temps entre du 0 ou du 340, donc un nord-nord-ouest légèrement dans toute la plaine de Bresse. À 100 mètres, il y a déjà 10 nœuds, 200 mètres 10 nœuds, et au-dessus, 500 mètres et 1000 mètres, 15 nœuds. Et après, au-dessus de 1500 mètres, ça retombe à 10 nœuds. Mais bon, on retrouve ce qui était prévu entre 10 et 15 nœuds, mais prévu au sol. Thank you.
Ah, c'est prêt. C'est des... juste, mais ça... Levez les mains. Ok. Tout le monde est prêt, là? Oui. Levez les mains. Lâchez tout. Salut. Allez. Ça part. Voyage. Impeccable, ça part. C'est propre. Loupi. Que j'allais dire. J'ai comme l'impression qu'il manque un petit peu. Ah bon, il vous manque un passager aussi? Alors, vire les trois qui sont dehors des conduits. Ok. Un peu le bazar. On est parti? On est parti. Ah, j'ai tout. Je mettrai la lumière à bien, c'est juste que... Bon vol. Bon vol. Bravo. J'aime bien piloter le ballon. Il est beau, hein? Tiens, regarde la vitesse à laquelle elle est de Kiki. Casser ma vitesse, on va se poser là. Poup. Ça va remuer un tout petit peu, mais pas plus que ça. Tu me dis pour le sac? Non, tu gardes. De Xavier, pour info, on vient de poser au sol, il y avait moins de 10 km/h là dans un petit creux de vallée. T'as du 40 km/h à 50 mètres sol et ça freine très très fort. Et on se fait poser debout calmement, on est posé debout au sol puis on va repartir. Je largue.
faire le sac. Je veux venir. Tu veux virer ton tiers? Je veux virer un tiers. Non, non. Ah, c'est bon. C'est bon pour les dents? Oui, c'est bon, ça passe. Ça passe, madame? Hein? Ça passe, madame? Ça passe, c'est impeccable. C'est bon, c'est légal, là. C'est beau. Je range le sac. Oui. Ouais. On est stable. C'est tout fini ça. C'est pas parce qu'on vit. On descend 06. T'as une ligne au milieu hein, des champs là, Xavier. Hein, attention. Une ligne électrique? Non, une clôture. Ouais. Une clôture. Ouais. On est 108. 109. On va taper fort. Non, non. Ceci. On va pas taper fort. On va passer un petit peu. On va faire comme une balle. Bam! Puis on va remonter. Souk! Et hop, c'est reparti. Là, tu vois, je vais vous enfiler un petit peu de pâte, hein. Ah bah oui. Une position? Non, je veux dire, attends, j'ai un proche. Non, je vais dire petit derrière, je vais y rebalancer un deuxième coup de soupa. C'était bon, hein. Dès que tu remontes un peu, dès que tu remontes un peu, c'est une question de faire prendre la vitesse. C'est vraiment tout en bas, tout en bas, tout en bas, ça ralentit. Ouais. C'est dur, hein. Ah, là, tu te sens. On va écouter, hein. T'as vu la cabane dans les arbres, en dessous? Juste que la soupa, en dessous. Normalement 0,4. Après on est trop haut là. Non. C'était le troisième interro. Troisième? J'ai entendu à un moment que tu disais à Eric que tu avais posé. C'est juste après qu'on est arrivé. En fait, on est arrivé sous vous quand tu nous as appelé. 7h-10. On a encore une heure. Franchement, je vois bon équipement. On a le transport, on a. C'est le bon. Ça, c'est Mâcon, la ville. Grosse ville, c'est Mâcon. Ah oui. Ah, c'était très beau tout à l'heure.
Ils sont plus là-haut, ils sont mis sur nous. Bon, j'ai une bonne nouvelle, Philippe nous a salissé ces gâteaux. Ah, ils sont très bons ces gâteaux, c'est la folie. Il y a quelque chose derrière le... T'as le grand chaume derrière la voie et puis derrière il y a quelque chose. Bon, il y a de la ligne, peut-être de la ligne à la fin. Il y a de la ligne à la fin, oui. À droite de la ferme. À droite de la ferme, oui. Ah, mon truc, attends, j'arrive à le faire. C'est trop vite, hein. Non, c'est rapidement. Je vais te faire la clôture là. Ouais, et puis deux clôtures, et puis les arbres, enfin c'est plus la ligne, et puis. Non, c'est pas dégagé assez. C'est pas assez dégagé. Il y avait la place, hein. Mais avec les arbres, la maison et tout, hein, c'est, ça commence à faire. La place est trop dans sa petite. Là, je pourrais le faire. Là. Il y a encore une autre ligne derrière. Ouais. Allez, vas-y, ben un demi-sac pour éviter la ligne. Télécom, mais quand même. Encore un. Non. Ça passe. Ça passe. Donne-moi le demi-sac et prends-le un autre. C'est le dernier qui a passé. Oui. Il n'y en a plus derrière? Il y en a de l'autre côté? Oui, c'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier du dernier. Rien de mon côté. Posé ailleurs, hein. Je reviens pas trop tarder en fait. Et là je me dirais bien qu'on fait ça. On hydrope là-dedans. On va le dégonfler sur le. Là sur le géant du bouquet. Ok. Ah reste. Ouais. Allez, on fait ça. Hop, on va faire. Ok. Donc, on va tourner, hein. Il va tourner, il va tourner. Là, c'est vraiment de la marche au guide-roc. Ouais. Ah dans les arbres, hein. Ouvert panneau. Okay. Hey, pas la route, pas la route, pas la route, pas la route. On va poser le ballon sur la route. Je suis pas dans les arbres, mais tout très bizarre, bordel de merde. L'arbre, bordel! Devant! Non, c'est bon! Oh non, ça peut rien faire! Ça peut rien faire! Je peux pas aller ranger! Je peux sortir! Hop! Non, c'est pas un exprès! Ouais, c'est un assassin! Ok!